J'ai voulu poser ce fauteuil rose chez Aéroscopia parce que Aéroscopia, c'est un emblème aujourd'hui de la métropole toulousaine, voulu par la région, le département, la mairie de Blagnac, bien sûr, où on est, et la métropole toulousaine, il y a très longtemps déjà. Il a enfin pris vie en janvier 2015. C'est une réussite. Manatour, aujourd'hui, a la chance de piloter cet équipement. Et on arrive bientôt à 1 million de visiteurs. C'est une grande fierté. Et finalement, il n'y a qu'ici que je pouvais poser ce fauteuil. C'est une forme de logique. Mais pour plein d'autres raisons aussi, être entouré d'avions, c'est un petit peu notre quotidien chez Manatour depuis bientôt 30 ans. On s'occupe des visites d'Airbus. Là aussi, il y a plusieurs millions de visiteurs chez Airbus dans toutes les usines à Toulouse, bien sûr, à Nantes et à Saint-Nazaire. Beaucoup de succès, ce bijou toulousain. Et puis les avions, c'est un peu mon quotidien parce que figurez-vous, je ne vis pas à Toulouse, je vis à Paris et donc je suis à Toulouse toutes les semaines et je prends l'avion pour venir. Forcément des Airbus, bien sûr. Alors Toulouse, pour moi, c'est vrai que c'était la nuit, la fête, les sorties, l'ambiance. Les troisièmes mi-temps au stade toulousain, ça a été extrêmement dense pour moi. C'était mon adolescence et mes études supérieures. Toulouse, c'est aussi l'intelligence, je trouve. C'est l'intelligence de la création, de la science, de l'invention. Une ville qui a toujours su se réinventer, qui a su grandir et attirer du monde, attirer les intelligences. Et ça fonctionne bien. C'est aussi pour ça que j'aime Toulouse. Toulouse, c'est une ville qui crée depuis toujours. Et puis, c'est une ville, comme le disait Nougaro, où l'Espagne a poussé un peu sa corne. Vous savez, il y a une expression qui dit « Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière ». Et bien ça dit tout Toulouse. Je trouve que Toulouse est un peu fêlée. Elle est un peu folle et c'est pour ça qu'elle sait se réinventer, créer et recréer et se recréer en quelque sorte. Cette folie-là, cette intelligence, j'aime bien la transporter avec moi quand je rentre à Paris retrouver ma famille et ma base parisienne. Être ambassadeur, évidemment, c'est une grande fierté parce qu'on a envie de représenter une ville comme Toulouse, une métropole comme celle-là qui respire l'intelligence dont je parlais. On est fier de pouvoir être ambassadeur de cette métropole. Alors je le suis au quotidien puisque je ne vis pas ici et je passe mes journées à faire ma pub de Toulouse et de la métropole quand je suis à Paris ou ailleurs. Et je crois que comme beaucoup de Toulousains, je vis avec beaucoup de Toulousains quand je suis à Paris. C'est une forme de réseau qui est absolument importante pour mon quotidien, de réseau personnel, j'entends. Et puis les ambassadeurs aussi, c'est la chance et le bonheur qu'on a d'accueillir un club ici à Toulouse. Alors chez Aéroscopia, le club se réunit de temps en temps. On organise des visites aussi pour le club des ambassadeurs, je pense au MIT récemment. Et c'est l'envie d'aller plus loin et de faire contribuer ce club des ambassadeurs à nous-mêmes, nos idées et à nous aider à créer la nouvelle visite qui va plaire à plus de monde. Aéroscopia, c'est un lieu qui a donc un peu plus de 4 ans aujourd'hui, qui a été voulu pendant très longtemps par l'ensemble de la métropole finalement, en grande partie poussé par la mairie de Blagnac, et Blagnac naturellement parce que c'est là que sont les usines Airbus. C'est un lieu qui montre tout ce qu'a su inventer Toulouse en matière aéronautique et le monde entier finalement. Donc c'est un lieu qui parle de Concorde et cette année c'est vivace parce que ce sont les 50 ans de Concorde. Évidemment c'est un lieu qui parle d'Airbus, cette année ce sont les 50 ans d'Airbus. C'est un lieu qui va grandir, il y a un nouveau lieu d'accueil, un tarmac qui va ouvrir au mois de novembre prochain, qui va accueillir un A340, le premier A320, un A380 qui sera visitable de l'intérieur. Donc c'est vraiment cette intelligence de l'aéronautique et de l'air qui est Toulouse, qui fait Toulouse, mais se résume beaucoup ici, chez Aéroscopia. Et ça fait 4 ans et demi, je vous le disais, on arrive bientôt à 1 million de visiteurs, une trentaine d'avions qui sont exposés ici, je pense à la 400M, le fameux avion militaire qu'on peut voir à l'intérieur, évidemment deux Concorde dont j'ai parlé aussi, et c'est un lieu qui accueille les écoles, les touristes étrangers qui viennent du bout du monde découvrir cet endroit, c'est un lieu qui accueille, je l'ai dit, pour les ambassadeurs, des événements également, c'est un lieu, on pourrait dire, multiple en fait, un lieu qui est un lieu d'accueil pour tous ceux qui aiment les avions et ceux qui ont envie de savoir comment ça marche. Parce que c'est ça le métier de Manatour, c'est expliquer à tout le monde comment ça marche. Donc Manatour sont aussi les visites des centrales EDF pour qui on travaille depuis plusieurs années aujourd'hui. On est partenaire d'EDF pour faire visiter 10 ou 12 installations EDF, dont deux centrales nucléaires à Golfech et une au Blayé à côté de Bordeaux. Puis à Toulouse, plus précisément le Basacle que tout le monde connaît, qui est un lieu à la fois du patrimoine toulousain, un lieu du patrimoine industriel français et notamment du monde de l'énergie, de l'électricité, que j'invite chacun à aller visiter. C'est extrêmement enrichissant et très très intéressant à voir.
Alors des projets évidemment, alors quand on vient de reprendre une entreprise évidemment on en a plein, on ne vit que de projets et c'est bien ce qui fait aujourd'hui un entrepreneur. On va en annoncer très prochainement, je ne peux pas vous le dire encore, je suis désolé, mais de nouvelles visites vont apparaître en métropole toulousaine passionnante, donc je vous donne rendez-vous et restez aux aguets, c'est important. Cette année, ce sont aussi les 50 ans d'Airbus, ça aussi c'est hyper important. Et on travaille avec eux pour imaginer ces 50 ans de manière festive ici chez Aeroscopia. Et puis pour voir un petit peu plus loin, il y a aussi la compétition sur laquelle nous sommes en ce moment avec Manatour pour le projet de Fab Lab de la région Occitanie au sein de la future cité des startups qui doit ouvrir en janvier 2020 à Montaudran. Et enfin, si je pense un petit peu plus long terme et innovation à proprement parler, oui, je crois que nous qui faisons visiter le concret, le réel et le toucher, on doit aussi apprendre à réenchanter ou apporter un enchantement à l'expérience du visiteur grâce au digital. Donc on commence à travailler avec des startups de la métropole pour compléter nos visites actuelles à travers le numérique.